Bonjour et merci de me retrouver pour ce deuxième jour de ce défi 30 jours pour réaliser un long métrage. Donc voilà, très brièvement, on va faire un point sur ce que j'ai fait hier soir. Donc pour le coup, maintenant, il faut que je me concentre sur le scénario. Donc c'est vraiment ce qui est extrêmement important parce qu'il y a plein de choses qui en découlent. Et là, en fait, hier, c'était extrêmement important pour moi de me coucher en ayant le concept de mon film en tête. Et donc, j'ai réussi à trouver ce concept-là. C'est pas forcément ce à quoi je pensais au début, et pour être honnête avec vous, c'est ma femme qui m'a un peu soufflé le concept. Et j'ai dit, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Et donc, en fait, pour le coup, maintenant que j'ai mon concept, ça me permet déjà de me projeter en sachant dans quel univers je me dirige. Je sais exactement le genre de décor qu'il me faudra et je sais le genre de personnage qu'il me faudra développer. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je le partagerai avec vous au moment où je serai vraiment sûr que je m'arrête sur cette idée-là. Et ça risque d'être peut-être demain ou après-demain, parce que là, aujourd'hui, maintenant, je vais vraiment me concentrer sur l'intrigue, voir si de ce concept, j'arrive à placer une intrigue qui est assez intéressante pour pouvoir tenir le spectateur en haleine comme ça pendant 1h20. Donc pour l'instant, ça va être l'objectif vraiment de ce soir. La bonne nouvelle aussi que j'ai donc hier après avoir posté la vidéo, on avait contacté en fait la directrice d'un cinéma qui est près de chez moi, et en fait on va pouvoir bénéficier d'une projection du film sur grand écran donc début novembre, une fois que le film sera terminé. Et ça, c'est vraiment super parce qu'on va pouvoir organiser une espèce de rencontre comme ça avec le public, de faire des questions-réponses sur le processus. Bien évidemment, ça dépendra de si on arrive à aller jusqu'au bout de ce projet. Et en tout cas, voilà, ça me donne aussi, encore une fois, une bonne motivation d'aller jusqu'au bout. Et ça me donne aussi, quelque part, quelque chose d'assez gratifiant pour toutes les personnes qui vont pouvoir travailler sur ce, qui vont vouloir travailler sur ce projet, de pouvoir comme ça se voir sur grand écran. C'est une expérience qui est quand même incroyable, surtout qu'aujourd'hui on est dans l'ère du numérique, des tablettes et des ordinateurs. De se voir sur un grand écran de cinéma, c'est quand même, je pense, le top quand on a envie de faire du cinéma. Donc voilà, on se retrouve demain. Moi là, voilà, je fais vraiment des petites vidéos rapides parce que j'ai du boulot et je dois travailler maintenant sur mon intrigue, et j'espère pouvoir la ficeler, et que demain je vais plutôt me pencher sur les décors, comme je vous disais, et sur le développement des personnages. Donc voilà, je vous retrouve demain, et merci en tout cas de me soutenir. Je remercie aussi voilà, les abonnés de la première heure, et j'espère que tout ce petit projet va prendre de l'ampleur dans les jours à venir. Voilà, donc à demain, je vous dis.